Yo tout le monde, l'idée aujourd'hui les amis, vidéo en PVP, encore une fois avec Demiurge. On va jouer Samnak, parce que c'est vrai que Samnak, elle est intéressante pour son côté support. Parce que oui, au début du combat, il y a une réduction, tu vois, de 20% pour tous les alliés et 30% sur elle-même au début du combat. Et aussi pendant le combat, hein, si tu remets le buff. Et aussi, bah, il y a son côté concert. En fait, le truc c'est que maintenant, Samnak... tu peux la ramener, mais dans tellement de teams, il y a tellement eu de persos intéressants qui boostent sans faire esprit Samnak, que ouais, les gars, Samnak, elle devient intéressante en PvP, parce que c'est... quand elle est sortie, franchement, les gars, sa sortie, moi, je détestais le perso. Bon, j'aime toujours pas le personnage, je trouve qu'elle a une mécanique un peu cringe et tout, parfois, mais écoutez, actuellement, elle est intéressante, franchement, elle est intéressante. Donc, voici la team. Classique, hein, les lignes classiques, les amis. Donc, let's go, hein, c'est une team Demiurge. Faut commencer premier pour être bien. Et d'ailleurs, même si tu commences deuxième, tu peux faire des singeries. Franchement, les gars, vous pouvez faire des petites singeries. Samnak, encore une fois, les gars, je vous dis, elle est concert. Elle est trop forte. Vraiment, Samnak, c'est débile comme perso. Ok, Scanner, bon, j'ai AOPCP du coup. Ok, c'est un vrai joueur que je. AOPCP, bon, il a lose, hein, spoiler. En plus, je vais proc moi-même l'effet, du coup. Donc, en fait, généralement, le combo, tu feras ça, T1. Voilà. 200 000, ça, c'est bon. On va stun Lilia. Tant mieux. GG. Ah, mais je connais, lui, noob. Là, je vais avoir plus 40 points, non? Plus 31. C'est un mec qui tryhard. Ouais, il joue ça, lui. Comment ça, mon ref? C'est un mec qui traite le PVP no stuff. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée. En fait, le truc, c'est que la plupart des teams Demiurge, c'est du one-shot T1. Ou soit, c'est des teams où, honnêtement, même si tu commences deuxième, surtout cette team, si tu commences deuxième, t'as plus de chances de t'en sortir. Parce que si tu joues au milieu, bah, t'as littéralement lose, en fait. Hein. C'est réel. Hein. Vraiment, les gars, vous avez littéralement lose. C'est un vrai joueur ou un bot, hein? Bot. Donc encore une fois les gars, on va proc l'effet nous-mêmes. On va stun, on va bloquer les... peut-être les AOE, j'en sais rien les gars, on verra, mais... on va bloquer des choses en tout cas. Ok. Dommage, pas mort. Voilà les dégâts qu'on va prendre. Parce qu'en vrai les gars, faut pas oublier que c'est AM en face. Hein. Ok. Bah en vrai, pour quand même cher. Hein. Mais ça va, genre. Parce que là, le truc qu'il faut savoir, les gars, c'est qu'on n'a pas de death crit en no stuff. Hein. On a bloqué les AOE, du coup. Pas mal, ça. Bah ouais, je vais faire le combo et... j'ai jamais... hein. Je vais stun des murges. En vrai, tu sais quoi, je vais jouer comme ça, c'est plus safe de jouer comme ça, honnêtement. Parce qu'en fait, là, on met ça, on met ce skill, donc Samnak, elle est en train de se stacker. Et après, j'ai envie de tuer notre ami, comment il s'appelle? Notre ami AM, parce que poser un milliard de malus, les gars, ça devient compliqué, quand même. Hein. Donc, hop, Gelda le tue, il n'y a plus de malus. Donc là, j'ai bloqué quoi? Ah oui, ou mono aussi, ça serait bien d'avoir bloqué... normalement, c'est marqué, le blocage. Mono cible, il me semble. Non. Ah oui. Ça, elle meurt pas, GG. Elle meurt pas, Samnak. Sabunak. Bah, là, en vrai, les gars, je veux dire, on va pas faire l'acteur. Hein. On va taper avec, avec des mioges. Hein. Ah, je sais même pas son champ, ouais. Ah, si. Et GG. Tu vois, c'est pareil, en fait, c'est que même si, admettons, c'était un vrai joueur, bah, le mec, en réalité, les gars, il peut rien faire, hein, je veux dire... le bot, en fait, a fait exactement le même play qu'un vrai joueur. Parce que j'ai bloqué les AOE, tu vois, qu'il fasse quoi, par des mono-cibles et qu'il avance dans la game, en réalité. Tu vois, c'est pour ça que Samnak, je le redis, elle détruit des tours, enfin, elle est trop cancer, hein, je veux dire, les gars, Samnak... Samnak, c'est un personnage débile, hein, faut dire les termes, hein. On va finir, attends.
Je vais finir avec Samnak pour avoir la pose de victoire. 148 000 quand même, hein. T'as Samnak, c'est vrai que ça, en vrai, je le redis, mais ça me fume comment elle prend des up. Elle prend ses up en vrai, ça me fume. Hein. Samnak, à chaque mise à jour, quand il y a des nouveaux inconnus, elle prend des up. Narberal, ça up de ouf. D'ailleurs, faudrait que je fasse une vidéo avec. Avec Samnak, pardon. C'est marrant. Je vous jure, les gars, que Narberal avec Samnak, c'est débile. Hein. Tu fais tellement mal, T1. Bon, le truc, c'est que si tu fais avec des teams démons, t'as des réductions à droite à gauche. Mais ouais, c'est bien débile. Hein. Vraiment, les gars, je vous jure que c'est débile de ouf. Hein. Donc là, le truc qui est cool, c'est que, encore une fois, les amis, ça, c'est un très très beau combo avec notre ami Demiurge parce qu'on pose des malus. Donc si on fight Meliodas, forcément, bah, Meliodas va cleanse le premier malus. Et le truc, c'est que Samnak, bah, logiquement, tu vois, c'est logique, bah, ça va jamais cleanse, en fait. Donc on peut proc nous-mêmes l'effet et bah, rendre ouf l'ennemi, quoi, hein, tout simplement. Ouais, les dégâts de la team, en vrai, c'est aberrant. Hein. Tu vois, on avait tout bloqué, il restait 2 skills à utiliser. Enfin, je veux dire, le mec peut rien faire en fait. Tu veux qu'il fasse quoi, le mec? Genre, en gros, j'avais bloqué les AOE de Melio, Escanor, et j'avais stun notre ami, comment il s'appelle, Gozer. Donc, bah, GG à lui, hein, je veux dire, les gars, encore une fois, hein, j'ai rien fait en fait. Ça me fume. J'ai rien fait de ouf, hein. Je veux dire, j'ai joué Samnak, j'ai fait le mec concert, et GG à moi. GG à lui, GG à nous. Ouais, c'est fort, hein. C'est très très fort, hein. Très très fort, notre ami Samnak dans ce genre de team, hein. En termes de dégâts, forcément, tu perds du dégât. Genre, c'est pas la meilleure team en termes de dégâts, soyons honnêtes. Mais le côté concert, en fait, ça te permet de temporiser un tour. Donc en réalité, bah, c'est meilleur, quoi. Je veux dire, les gars, si tu veux durer dans le temps, dans une game, je pense que Samnak, elle est très forte, hein. Franchement, les gars, Samnak, pour moi, c'est très très fort, hein. On va faire le même play, hein, je veux dire, les gars, on va pas réinventer l'eau chaude, hein. Hop. Putain, les dégâts, ouais, lui, il fait trop mal, hein. C'est grave, hein. Lui, il y a un problème, hein. Donc là, Mélie, hop. C'est quoi le blocage? Ah ouais, attends, elle a le cleanse ou pas, Elisabeth? Non. Donc ouais, tu vois, j'ai bloqué les mono-cibles, donc bah, déjà, l'effet d'Escanor, il marche pas. GG à lui. Oh bon, tu vois, regarde, on prend littéralement zéro dégâts, hein, je veux dire, les gars. On va taper avec Samnak. Il y a un œil, il y a deux ennemis, donc on peut proc. Bah let's go, on va finir. Je pense que c'est avec Samnak qu'on va terminer. Parce que Samnak, en vrai, elle fait mal, hein. Quand tu fais un combo, les gars, vous connaissez le perso. Regardez les dégâts, bah c'est fort, hein, je veux dire. Ouais. Bah écoutez, les amis, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Team intéressante, franchement les gars, je vous invite à la tester. La team elle est pas mal, elle est concert, tu tombes plus que la team classique. En gros, ouais, la différence c'est que c'est une team concert et t'as pas mal de trucs à faire. Mais ouais, honnêtement, j'aime bien la team. Je pense que je la jouerai en off, en T100 par exemple, histoire de tester un peu. Mais je pense qu'en PvP stuff, la team est plus intéressante parce que c'est simple, des mioges en fait, tu vas jouer en attaque. Là en fait, le truc, c'est généralement, en PvP stuff, on a tendance à galérer. À galérer, pourquoi? Parce que... À galérer, pardon, à tanker. Parce que le truc, c'est que forcément, tout le monde joue des muges en HP, etc. Pour AOCP. En tout cas, sur la GP, ça joue comme ça. Donc le mec commence, il te met 3 pralines, GG à lui, on est content, gâteau. Parce que oui, ça fonctionne comme ça, on va dire, la méta actuellement. Mais j'ai l'impression, même en T100, tu fais avec des bots, j'ai l'impression que tu peux faire des petites dingueries avec Samnak. Voler des matchs à droite, à gauche et tout. Encore une fois, il faut tester parce que le truc, c'est que là, on est en no-stuff. On tankait quand même assez bien, je trouve, parce qu'on n'a pas beaucoup de défrite en no-stuff. On a la défrite classique. Donc, ouais, en T100, j'ai quoi? Ouah, 16 victoires MDR.
J'ai la même team, mais en vrai, cette team, les gars, le problème, c'est, je le redis, c'est AOPCP. Et si tu fais avec des bots, en tout cas, là, je parle pour ceux qui font du Tesson, allez, hein. Parce que là, je vois, je suis en full HP. Elle en attaque d'ailleurs, Sabnak, en link. Comme pas mal de CP. Bon, bref, merci à regarder, les gars. Des bisous, tchuss. Toulou.